Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de road trip. Aujourd'hui on va partir faire un spot plutôt énorme, mais là on vient de s'arrêter au bord de la route parce que on a trouvé une maison abandonnée. En Alsace on a l'impression que tout est abandonné, mais là on vient de trouver un truc, c'est assez sympa. Du coup on va vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Regardez-moi ce bâtiment, sérieux. On vient de le voir en passant juste à côté, c'est un truc de dingue. C'est énorme. Et j'ai l'impression que derrière il y a une usine qui a brûlé. On vient d'arriver sur le spot dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un spot de dingue. C'est le château Banana. J'espère qu'il n'y a personne. Ok, c'est grand ouvert. C'est parti. On vient d'arriver. C'est un peu le bordel. Et on a eu un coup de flip parce qu'en fait il y a deux photographes anglais. Et genre je suis retombée nez à nez avec eux. J'ai eu vachement peur. Putain, il y a un piano là-bas, regarde. Regardez le piano. C'est ouf. Regardez. Cette peignoir. C'est ouf. Et du coup, pourquoi le château s'appelle Château Banana? Parce que vous allez voir tout le long de notre excursion, il y a des cartons de bananes de partout, d'où le nom Château Banana. Voilà. Oh non, regardez, il y a eu du squat. Nous ne connaissons rien de l'histoire de ce bâtiment. Il reste un grand mystère aux yeux des urbexeurs. Durant notre visite, nous avons pu constater que le château avait des origines allemandes et qu'il avait été laissé à l'abandon depuis maintenant plusieurs années. En tout, nous avons compté 7 chambres et avec chacune une salle de bain. Était-il autrefois un hôtel? Nous ne le saurons jamais. Du coup, là, on est dans la
pièce principale du château. C'est un peu la pièce maîtresse de ce bâtiment. Donc il y a un piano, il y a des chaises extrêmement magnifiques. Il y a même encore de la vaisselle, enfin, il y a encore tout. Mais hélas, par rapport aux photos et vidéos qu'on a vues d'il y a même 2-3 mois, ça a été quand même vachement saccagé. Mais bon, c'est comme ça. Il est tellement pas accordé. Hélas, nous étions loin d'être les premiers à visiter cette bâtisse qui se dégrade de jour en jour. Il y a même d'ailleurs plusieurs objets qui ont disparu, comme ces fameux sièges rouges. Suite à notre visite, nous sommes repartis des questions plein la tête sur l'histoire de ce château et ses propriétaires. Mais aussi émerveillé par ce bijou laissé à l'abandon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et pour être au courant en avant-première des spots que l'on explore, abonne-toi à ma chaîne et rejoins-nous sur Instagram. Et puis, à bientôt pour de nouvelles excursions !